Le chef du groupe Samsung et héritier de la famille GI Li dit qu'il accepte toutes ses responsabilités issues du scandale de trafic d'influence qui touche la présidente Park Geun-hye. Li et d'autres chefs de conglomérats domestiques témoignent devant le Parlement sur les allégations qui veulent que Mme Park et son ami auraient fait pression sur eux pour donner de l'argent à des fondations caritatives contre des traitements préférentiels. Samsung a donné 20 milliards de won, ou un peu plus de 17 millions de dollars, à deux fondations contrôlées par la confidente de la présidente Park, Choi Soon-sil, la plus grosse somme pour un groupe. Les procureurs ont fait une perquisition dans les locaux de l'entreprise le mois dernier. Si Mme Park est destituée, elle deviendrait la première dirigeante sud-coréenne démocratiquement élue à quitter le pouvoir en disgrâce avant la fin de son mandat.